chouette. Et voilà. Les concurrents, avec leur poulain, sont prêts à faire deux passages devant le jury. T'as déjà monté ? Tu peux imaginer. Alors, le départ va être donné dans le virage côté bulle, côté trois moulins. Deux passages. Voilà le 5. Voilà un joli spectacle pour vous mettre en appétit. Pour préparer votre estomac, aller boire l'apéritif et ensuite aller manger à la cantine. Les bons sont à acheter. Alors, les chevaux sont aux ordres du starter. Et c'est parti. Allez, Hervé ! Maman. En face, une magnifique course de Dubois. Alors je vous rappelle qu'il y a deux passages devant le jury et que nous attendons que le poulain est passé. C'est une erreur, c'est pas du poids qui est en tête, du poids est troisième. Jacqueline Barra est deuxième. Alors, passage ici avec le numéro 2. Il s'agit d'Hervé Sapin de Tintinjeune, suivi de Jacqueline Barra numéro 4 et de Dubois numéro 3. Voilà, maintenant on passe devant nous le 6, aux ordres du starter et c'est parti. Et c'est parti avec à la corde Gilles Thierry Maillard. En deuxième position, Dubois et Barbet. Troisième position, et David Barra. Quatrième, trois passages. Le troisième est en sujet d'arrivée. Il est interdit de traverser la piste pendant les courses. Grande bagarre là-bas à trois équipages. Les frères Maillard sont en tête, mais ils sont talonnés de près par l'équipe Dubois et Barbet, de pas loin de l'équipe de La Roche Didier. Alors, le deuxième passage, il restera un tour. Regardez un petit peu la décoration du char. Ça passe devant vous. Je pense que ça peut être félicité et applaudi. Alors là-bas, tout au fond, c'est toujours Maillard, Gilles et Thierry qui sont en tête. Et derrière, Claude Dubois et Julien Barbet. C'est difficile de faire l'extérieur. Voilà l'entrée bientôt dans la ligne droite. Est-ce que les chevaux de Dubois et de Barbet arriveront à faire l'extérieur? Ce sera difficile. Ce sera très difficile. Et c'est une victoire de Gilles et Thierry Maillard de Villarembourg qui l'emporte devant l'équipe